Eh bien, salut tout le monde, c'est Exibune, et aujourd'hui, on se retrouve pour bientôt la fin du jeu. Parce que comme vous pouvez le voir, il reste 4 missions principales, et j'ai tout fait le reste, sauf les missions de chasse, que je vais finir un peu plus tard. Et ça, il reste 4. Donc on a tué tous les capitaines derniers, dans le dernier épisode, et donc là, on va... besoin de notre aide pour... Ah, il est, on doit devoir guérir la grand-mère. On va y aller. Là, en fait, là, j'ai libéré les esclaves. Des exilés, ça doit être ça. Je vais prendre un carabin plus vite. Là, je le tue. Hop. Le remède. Ok, bon, on va aller voir. Je me moque des risques. C'est pour le bien-être de la reine. D'un matériel, il ne me semble... Attaquer le camp me paraît peu judicieux. Il est avec nous. Je n'ai pas le choix, Talion. J'ai besoin de cet élixir. Même l'étranger dit que c'est de l'inconscience. Je sais qui elle te rappelle, Talion. Elle est de ce monde, et pas toi. Assez! On attaque comme prévu. Moi, je vais m'occuper des orques. On pourrait vous suivre discrètement. On prend le remède, et on s'en va. Ouais, je fais du boulot. Bah, je veux pas. Le magicien blanc a une mauvaise influence sur la reine. Seule la furtivité peut dégager la voie à l'Itariel et ses hommes pour qu'ils trouvent l'élixir. L'émotion t'égare. Prendre des risques inutiles ne sert à rien. Ce remède va libérer l'esprit de la reine et nous apporter des réponses sur ton passé. Puisse la vérité justifier notre alliance avec ces gens. Hey, personne. Ça va être important. Ils doivent savoir qu'elle prendra tous les risques pour protéger leur reine. Elle sait que sans la clé de voûte, l'arche s'effondrera. Je pense qu'il y aura juste des trucs à faire exploser à la fin, parce que là on a... Mais t'as vu que les chefs de guerre ne vont plus avoir la vie facile. L'immortel a une dent contre eux. Qui est le jaune? Moi je sais ça, c'est quoi le jaune? C'est si c'est un capitaine. Louga. C'est quoi? Où est-ce qu'on peut passer? 35, 6. Avec Aragorn, je sais. J'ai pas vu les... J'ai oublié, j'avais pas vu le Karagorn. La motivation de l'Itariel est contagieuse. Je vois pourquoi les hommes la suivent. C'est les bonnes. J'ai rien dit. Bon, ça va. C'est qu'un jeu de toute façon. Ok. Voilà. Je vois! Croise le fer avec moi! Je me fiche des objectifs bonus, c'est juste pour avoir des points et le Joe Max. Je peux m'en avoir des milliers grâce aux ruines. Trahison! Oh, le con. C'est quoi cette orque? Faut le tuer? Ouais, faut le tuer. Quelque chose vient de bouger par là-bas! Oh, on va tenter. C'était bon. Sale vermine. Tu ne paies pas de mine de l'extérieur. J'ai hâte de voir l'intérieur. Je vais faire def. Voilà, pas plus un problème. Je viens de faire tuer des capitaines dans les... Tiens. Pas remonter. Hello. Vous avez trouvé ce que vous vouliez? Oui. Apportez ça à la reine, immédiatement. Je doute qu'un remède humain puisse guérir sa reine. J'espère que ça soignera votre mère. On a trouvé ce message. Les chefs orques vont se réunir près du village de pêche. On pourrait leur tendre un piège. Ça moi.
Je vous dois des remerciements. Heureux de pouvoir vous aider. C'est une chance de vous avoir. Ce n'est pas ton peuple, Talion. Souviens-toi de ta femme et de ton fils. Je ne vous retarde pas. Oui. Chaque minute est précieuse. Il est relou, les Brindor. On vous ça peut un peu. Vous les aide. On voit la force de l'Itariel à sa façon de diriger. Elle transparaît dans le respect et non la peur qu'on lit dans les yeux de son peuple. On va aller dans 20 et après affronter son passé. Ah, ça va être marrant. On va faire ça. Oh, marrant. On va faire ça. Je suis ok, je suis pas très loin. C'est parti, c'est parti. Je vais prendre un animal assez rapide si on trouve. Ah si vous voyez, il y avait un Karagor pas loin, mais bon, j'ai pas vu. Donc il vient de spawn. Sauf les esclaves ou pas. On va vous démerder après avec l'arche, bon boulot. Continue le combat, Rodin. Vous m'arrêtez plus de ça. Hein. Faire chier sinon. C'est drôle, allez hop. C'est un gros ça. Grand gros blanc. Encore. Torvin. Allez, debout, capitaine. C'est l'heure d'aller chasser. Merci de l'avoir amené. Une monture mortelle, un chasseur mortel. Voilà, c'est parti. En avant pour la chasse de ta vie, même si elle doit être courte. Je suppose que tu connais la route. Le tout est de savoir si tu es prêt à la suivre. J'adore ce qui arrive durant la chasse. Demande-toi ce que ferait Torvin. D'ailleurs, tu devrais mettre ça en pratique en toutes circonstances. J'espère que l'entraînement entre. Sinon, le puissant Grog t'enverra t'encastré dans un mur. Je suis prêt à combattre le Grog. Et c'est ce que tu ferais. Combattre, sans finesse. Il ne suffit pas de trancher. Il y a quelque chose de plus grand dans la chasse. De ton point de vue, nain, tout est plus grand. Oui, ce Grog est très très grand. Oh, attends, tu te moques de moi. Les Grog sont une des plus vieilles espèces du Mordor. Et de loin la plus mortelle. Ah, je sais. Il y a longtemps que j'ai pas affronté ce Grog. Espérons seulement que le temps l'aura moins épargné que moi. Un jour, avec mon associé, j'ai pisté un Grog du mont Dolmed jusqu'à Nogrod. On a fini par le tuer, mais on est resté coincé 2 jours sous ses pattes. J'en ris encore. De naze. La dernière fois que j'ai vu la bête, c'est quand je l'ai traqué jusque dans son antre avec mon vieil associé. Oh, il est mort. Comment en as-tu réchappé? Par chance. Le Grog m'avait assommé. À mon réveil, il avait déjà tué mon associé. Si j'avais dû affronter la créature seule, je serais mort. Je chasse ce Grog depuis près d'une décennie. Ça fait beaucoup d'années consacrées à une seule bête. Ouais, t'inquiète pas, tu crois? Ça indique peut-être que tu prêches mieux que tu ne chasses. Ah, très drôle, capitaine. Je n'oublierai pas de rire quand la bête te dévorera. T'inquiète. Ouais. Le puissant Grog fera ma légende. Les nains se souviendront longtemps de Torvin le chasseur. Je veillerai à ce qu'on cite ton nom quelque part. Oula. T'arrêtes mes gastiers. Oh. Les Karagor sont trop calmes. Je crois pas que le Grog soit chez lui. Alors on entre et on attend. D'embuscade ? Oh, on se croirait à l'armée. Mais ça me plaît. De son pote, sache.
C'est une hache. Elle coupe comme le jour où notre père l'a forgée. Dégueulasse. Elle est vraiment balèze aussi. Le Nourg est tombé. L'histoire se répète. Suivons les conseils de Thorfinn. Règle 1, peu importe, improvisons. Il est trop fort. Je dois attaquer de loin. Viens. Un tir à la tête le désorientera. Oh, d'accord, faut le charger. Ok. Ouh, pas mal. Enfin. Bon. C'est chiant. Elle va se régène. Je peux rien faire. Sérieux là? Il mange trop vite! Bon, on va là-bas, on va. Hey, j'ai plus de concentration. Voilà, un truc là. Ah! Et c'est bon, arrête! Dans le sein. Ah bah on a mal au sein. Au sein gauche ou pas? Par contre toi. Bon défi de chasse. C'était pas une matriarche. Thank you.
Comment on fait ça? Moi. Une flèche. La prochaine fois, tu me laisseras m'amuser. Oh non, non. C'était la dernière fois. J'ai d'autres proies à chasser. T'auras sûrement besoin d'aide. Qu'est-ce que tu dirais qu'on unisse nos... Non, Torvin. Je dois le faire tout seul. Si jamais tu survis, rejoins-moi dans les montagnes bleues. Je te présenterai mes amis et on boira jusqu'à plus soif. J'ai vu ce qu'un nain pouvait boire. J'espère que nous nous reverrons. Alors, comment est-ce que je vais te faire sortir d'ici, hein? Tu veux te dire comme qu'à la fin du jeu, eh ben on a vu qu'on est déjà mort, en fait. On est mort. C'est chaud, quoi. Bon, tu joues un mec qui est déjà mort, comme un Murderer. Murderer sous le suspect, mais c'est pas pareil. Parce qu'il doit découvrir qu'il l'a tué. On doit juste se venger comme un gros porc. Ouais, ça revient au même. Mais une autre condition, c'est que là on dirait pas qu'il est mort. Juste un fantôme chelou qui avait glé. Bon. Charge, petit jeu. Et on va se laisser là pour cet épisode. Je pense qu'il sera assez long, on a fait pas mal de trucs. Dépêche-toi. Voilà. Bouger, drainer. J'espère que Torvin pourra rentrer chez lui maintenant que sa chasse est terminée. S'il y parvient, il ne retrouvera pas son chez lui comme il l'a quitté. Donc bah voilà les gens, j'espère que l'épisode vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, à partager la petite vidéo. Donc on se retrouve pour la suite. Dernier épisode. Ciao les gens.